So good afternoon, everybody. Can you hear me? Yeah. Yes, please. Okay. Again, my name is Gianluca Guidotti. I'm based in Maputo at the embassy. I'm taking care of the humanitarian portfolio as well as the Nexus. So the Nexus between humanitarian aid and the development programs. And we support as SDC institutionally both the effort of the Global Task Force on Cholera Control. So at the institutional level, but as well locally. So through SDC, we are currently in a discussion with some of our partners to come out with a proposal for a cholera eradication program. Namely, the next presentation that you will see, so my aim is to introduce it, is going to be from Solidarmed Analytics, with whom we are currently discussing this program. So my introduction is mostly to underline our willingness to be part of this effort institutionally, but also to see how relevant this program for the overall Swiss portfolio in Mozambique is, especially as a multi-sectoral issue. So I take the occasion to point out some elements that already came out during these 2 days that were super interesting so far. First of all, the roadmap seems to be very clear in theory, but in practice, we saw that there are many challenges ahead. So maybe the main point that I wanted to underline is that there are currently so many actors and so many sectors that are dealing with cholera that their coordination is fundamental. It's a multi-sectoral approach, so let's keep in mind that we have to coordinate, especially between WASH and health, but also with all other sectors. Namely, here in Mozambique, I can give you an example. We have the CCCM, Camp Coordination, Camp Management cluster on one side, but it's also coordinated with the development actors that is basically planning where the IDPs will go. So risk mapping, flood risks, et cetera, all things that are related to possibly cholera outcomes in the future. So all this coordination is clearly a challenge. Second, leadership is necessary. So to ensure the buy-in of the state's institution as well as the international community, especially to ensure long-term investment. A third point, it's humanitarian aid intervention versus development. Cholera outbreaks are usually humanitarian aid hot potato, but it's clear that it's a predominantly development issue. Hence, program must ensure the long-term support financially, but also programmatically. It's, again, as mentioned already before, so many components are important that can be developed over the long-term. So it's useless to submit programs that last for 1 year, 6 months, or 1 year and a half when we're dealing with cholera, because it would be impossible for the program itself to consolidate its results, but also to, over the long term, maintain its results. And my last point is software versus hardware. Even though hardware is important, ensuring sustainable operation of infrastructure and behavior change are major challenges. I therefore hope that this meeting will set the floor for a solid program in eradication control, in eradication of cholera country-wise, but also and especially these, for us to be able to start to work together and therefore profit of all the experience that we have seen already present during these couple of days. And therefore, thank you again for this opportunity. I leave the word to you, Gaucho. Ok. Merci beaucoup, Gianluca. Merci à tout le monde et bonjour.
Je me nomme Gaoussou Diakité, je suis médecin gynécologue obstétricien. Je suis coordinateur d'un projet de prévention contre le choléra et je travaille avec Solidarmed au nord du Mozambique. Donc, je remercie pour l'opportunité que vous nous offrez pour pouvoir partager au cours de cette septième rencontre de GTFCC notre expérience en matière de gestion du choléra au niveau de la zone nord du Mozambique. Ma présentation s'intitule Intervention réalisée en réponse au choléra au nord du Mozambique, partage d'expérience. Pour dire un mot sur le contexte du nord du Mozambique relationnel au choléra, nous pouvons dire que le pays est reconnu comme endémique au choléra et qu'en 2019, en avril, un cyclone nommé Kenneth a frappé cette région du Mozambique et a provoqué beaucoup de destructions sur son passage, notamment les installations d'eau et les centres de santé. Fait Donc, on va juste surtout prendre le parasite. augmentant ainsi les risques de survenir des maladies d'origine hydrique. Et la même année, je veux dire en 2019, nous avons assisté à une arrivée progressive de nombreuses personnes déplacées qui fuyaient au fait le district nord du pays, donc parce que dans cette zone sévissait un conflit armé. À leur arrivée au niveau des districts d'accueil, ces personnes se sont installées au niveau des familles d'accueil, créant une sorte de surpopulation au niveau des familles et aussi la promiscuité, et rendant difficile le respect des mesures de prévention par rapport aux maladies transmissibles. Et sans surprise, en 2020, nous avons observé l'éclosion d'une épidémie de choléra, particulièrement au niveau du district de Ankouabé, qui fut l'un quand même des de districts qui ont reçu un nombre très important de ces déplacés. Et sans trop tarder, le district de Ankouabé, l'infection s'est propagée au niveau d'un district voisin appelé Chouré. Et cela a duré environ 9 mois et nous avons pu enregistrer quand même 1483 cas de choléra qui ont été traités au niveau des centres de traitement qui avaient été mis en place. Et le système de santé, pendant cette épidémie, a déploré 7 décès. Sur la carte, on peut voir la région de Cabo Delgado jusqu'à la zone extrême nord du Mozambique. Après immédiatement le passage du cyclone Kenneth, Solidarmed, en collaboration avec LVTH, ont mis en place un projet d'intervention d'urgence. Et ce projet a été financé par UNICEF, la coopération suisse, la chaîne du bonheur et l'intervention de ce projet visait principalement 3 axes. D'un côté, l'axe santé, de l'autre côté, l'eau, hygiène et assainissement, je vais dire WASH, et pour finir, la coordination. Parlant de santé, les interventions visaient à préparer le système national de santé pour répondre aux épidémies de choléra. Et à travers ces interventions, nous offrons des kits des centres de traitement comprenant des lits de malades colériques, des tentes, des consommables médicaux, des équipements médico-chirurgicaux et j'en passe. Et aussi, on appuyait les districts affectés par le choléra en matière de prise en charge des cas et aussi en matière de mise en place des plans de prévention secondaire qui consistaient d'un côté à assurer le suivi des cas qui sont admis au niveau des centres de traitement, donc jusqu'à leur domicile et aussi les familles voisines. Et aussi des activités de sensibilisation communautaire et des campagnes de distribution des produits utilisés pour la purification de l'eau. Dans les contextes mozambicains, habituellement, on utilise les certeza. En fait, c'est de l'eau de Javel, c'est des petits flacons de 150 millilitres, donc qui contiennent une concentration de 1,25% d'hypochlorite de sodium. Sur les plans eau, hygiène et assainissement, les interventions visaient plutôt à améliorer l'accès à l'eau potable à travers des activités de réhabilitation des points d'eau, mais aussi la création de nouveaux forages.
et aussi la promotion de l'hygiène individuelle et collective à travers des activités de sensibilisation communautaire et aussi, comme je l'avais dit tout de suite, à travers aussi des campagnes de distribution de produits pour la purification de l'eau à consommation à domicile. Et la coordination s'est faite en ce moment à travers un cluster de santé et aussi de WASH hein, qui était situé au niveau provincial où les autorités provinciales aussi étaient présentes ainsi que les autres acteurs qui intervenaient dans l'urgence. Et au niveau local, je vais dire au niveau des districts, des séries de rencontres multisectorielles aussi étaient mises en place et ces rencontres étaient aussi chaponnées par les administrateurs des districts affectés. Quelles réponses avons-nous obtenues à travers cette intervention d'urgence post-cyclone Kenneth? Je rappelle que nous travaillons au niveau de trois districts avec une population totale de 585 500 habitants. L'intervention a duré 9 mois et un certain nombre de résultats ont été obtenus. Et entre autres, je peux citer la réhabilitation des 115 points d'eau et la création de 5 nouveaux forages. 7823 latrines ont été construites, sinon reconstruites. 1495 familles ont reçu du Certeza. Je l'avais expliqué un peu ce que c'est. Donc, ce Certeza a été utilisé pour le traitement des eaux de boisson à domicile. 54 064 femmes et hommes ont reçu des messages d'information par rapport aux mesures de prévention des maladies d'origine hydrique, y compris le choléra. 1500 familles ont reçu des kits d'hygiène et des dignités. Durant la période, 326 cas de choléra ont été traités au niveau des trois centres de traitement que le projet appuyait. Et nous avons distribué trois kits des centres de traitement aux trois districts qu'on appuyait. Quelles leçons Soldat Med et LVTH ont appris à travers cette intervention? Entre autres, je peux citer les retards pour la déclaration des épidémies. Et nous pensons que c'est fait dû aux influences politiques. Un exemple, il est possible que localement, les prélèvements des selles soient réalisés par les médecins-chefs qui sont les responsables des programmes au niveau des districts, envoyés au niveau de la province pour analyse. Mais malheureusement, le retour des résultats, ce n'est pas le médecin-chef qui a envoyé la demande qui le reçoit, c'est les administrateurs et souvent il y a des rétentions d'informations et ça met beaucoup de temps. En moyenne, il faut compter entre 10 jours et 3 semaines pour pouvoir avoir une confirmation de choléra et pouvoir déclarer l'épidémie afin de pouvoir mettre ce qui est nécessaire pour contrôler l'épidémie. Il faut noter aussi qu'il y a des problèmes de disponibilité des données. L'exemple simple est que nous avons accompagné les districts à gérer ces épidémies, mais les données qu'on a eues à temps réel ne sont pas les mêmes qui sont reflétées au niveau du système national de suivi des indicateurs. Donc, il y a toujours des différences et le plus souvent, les données qui sont sur le système national sont de plus souvent un peu inférieures par rapport aux données réelles. Donc, il y a beaucoup de pertes d'informations. Manque de moyens diagnostiques, manque d'équipements médico-chirurgicaux et aussi de consommables. Donc, tout dépend de à quel moment l'épidémie arrive. Juste pour expliquer la gravité de la situation, des simples gants d'examen souvent ne sont pas disponibles. Les équipements de protection individuelle pour les gens qui travaillent au niveau des CTC, ce n'est pas disponible. L'alimentation pour les malades qui sont admis pose aussi problème. Donc, il y a aussi des besoins de formation. En parlant des besoins de formation, ça concerne la gestion de l'épidémie. Et le plus souvent, ce sont les médecins-chefs qui sont les responsables des programmes, qui sont responsables de cette gestion. Et bien, il y en a qui en ont besoin de ces formations. Aussi, les techniciens qui travaillent au niveau des centres de traitement aussi en ont besoin en matière de gestion des CTC. Il y a des manques de suivi des cas. Le suivi des cas, c'est simple à expliquer parce que c'est juste à chaque fois qu'on a un nouveau cas qui est admis au niveau d'un centre de traitement, on envoie une équipe au niveau de la famille du malade pour procéder à des séries d'activités qui visent à arrêter la chaîne de transmission. Donc, l'une de ces activités consiste, par exemple, à donner à la famille du malade ce qu'on appelle un kit de suivi des cas comprenant à peu près 4 items, je pourrais dire 4 items. D'un côté, le Certeza, qui est pour la purification de l'eau, un seau avec un couvercle pour pouvoir
garder en sécurité l'eau de boisson pour la famille, et du savon, bien sûr, pour l'hygiène des mains, et pour finir, une fiche informative pour pouvoir apprendre davantage par rapport aux mesures de prévention du choléra et des autres maladies diarrhéiques. Et l'autre dernier problème que nous pouvons soulever ici concerne les problèmes culturels, et cela concerne surtout les populations musulmanes qui sont habituées à manipuler les corps des malades décédés de choléra, donc avec des risques de propagation de l'infection au niveau des communautés. Après cette première intervention, Soldat Med et Helvetage se sont intervenus dans une autre intervention parce qu'il y avait une urgence choléra au niveau de deux districts encore de la province de Cabo Delgado. Et cette nouvelle intervention a été financée par UNICEF et la chaîne du Bonheur. Les interventions étaient similaires en termes de plans d'action par rapport à ce qu'on a eu à faire après le passage du cyclone Kenneth. Donc, il y avait trois axes essentiels d'intervention, en commençant par l'axe santé, où on préparait les systèmes de santé pour répondre aux épidémies de choléra, et on assurait avec eux aussi la prise en charge des cas et aussi garantir la prévention secondaire pour cette maladie. Le deuxième point concernait le WASH, hein, axé sur l'accès à l'eau potable, la construction et réhabilitation des latrines, la promotion de l'hygiène individuelle et collective, et pour finir, un niveau de coordination. Donc, principalement, cela concernait le niveau provincial où il y avait le cluster de WASH et le cluster de santé qui étaient déjà en place. Et aussi, des rencontres multisectorielles étaient organisées au niveau des districts affectés. Et en parlant des rencontres multisectorielles, on peut citer entre autres le CONU. Le CONU, en fait, c'est le comité opérationnel d'urgence qui était chaponné par l'administrateur du district, et le GIT, hein, qui est le groupe d'intervention technique, et là, les responsables et les médecins-chefs du district. Quels résultats avons-nous obtenus après cette intervention en 2020? Donc, je rappelle que l'intervention a eu lieu au niveau des deux districts, Ankouabé et Chouré, et elle a duré environ 3 mois. Et un certain nombre de résultats ont été obtenus. 1483 patients ont été pris en charge au niveau des centres de traitement qu'on appuyait. Nous avons pu garantir l'alimentation pour 750 patients et leurs accompagnants qui étaient admis au niveau du CTC. Parmi tous les cas admis, 85% ont pu être suivis. Donc, on bénéficier d'un suivi pour arrêter la chaîne de transmission, ce qui représente 1260 patients. 4500 kits de suivi des cas ont pu être distribués. 9251 flacons de Certeza ont pu être distribués à travers des campagnes de distribution de Certeza. 7743 familles ont reçu des messages d'information par rapport à l'hygiène. Ces deux interventions réalisées par Solidarmed et Helvetage en consortium. Gozu, can you please shorten it to next 1 to 2 minutes? The main findings you can share, please. Ok, thank you. I'm fast. Yeah. Donc, je disais que ces interventions ont amené Soldatmed et Helvetage à penser à développer un nouveau projet, cette fois de contrôle ou d'éradication du choléra au niveau de deux provinces de Mozambique, hein, province de Cabo Delgado et Nampula. Alors, donc, juste pour décrire très rapidement les dessins de ces projets, l'objectif général est que la population de Cabo Delgado et Nampula sont protégées contre le choléra et les autres maladies diarrhéiques. En termes d'objectifs spécifiques, nous avons essentiellement 3 points, et le quatrième étant la coordination. Et, le premier point concerne la prévention de l'épidémie avec son objectif spécifique. Le deuxième point, la prévention des épidémies. Et le dernier point concerne la réponse rapide pour l'endiguement des épidémies de choléra, donc la prise en charge des cas. Donc, sur cette photo, on peut voir des techniciens de WASH qui sont en train de procéder à un nettoyage d'un puits local. Et ici, les centres de traitement de choléra dans les districts de Chouré avec la visite de l'administratrice. Je vous remercie pour votre attention.